Donc, nous l'avons vu, nous avons, et nous en avons parlé, nous avons approximativement, que nous soyons français, italien, belge, camerounais ou ivoirien, nous avons approximativement en tant qu'humain, en moyenne, on va dire, après le chiffre n'est pas exact, mais on va dire en moyenne 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour qui sont là, qui nous traversent l'esprit, à chaque instant, paf, 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 des pensées. Et il faut savoir que 95% de ces pensées, à peu près 95% pour nos amis belges et nos amis suisses, bonjour à eux, sont des pensées qui sont inconscientes, c'est-à-dire qui reviennent en mode automatique et en mode inconscient. Et puis, à peu près 5% qui sont en mode conscient. Ce sont ces 5% dont nous avons la conscience au quotidien. Par contre, ce qu'il est important de savoir, de connaître, et ce dont nous devons prendre conscience, c'est que dans ces 95% de pensées que nous avons en mode automatique, nous avons en moyenne entre 60 et 80% de ces pensées qui sont des pensées négatives. À peu près entre 20 et 40% de ces pensées seront positives, mais nous avons une grande majorité donc de pensées négatives. C'est très quelque chose qui est très spécifique en fait aux Français ou aux francophones. Tout simplement, je l'ai expliqué dans une capsule précédente, ça vient de notre vocabulaire, de la langue de Voltaire, qui fait que nous avons plus de mots pour exprimer des émotions négatives que de mots pour exprimer des émotions positives, rappelez-vous. Ce qui veut dire que ben forcément, les pensées n'étant que l'expression dans notre tête de nos mots, inéluctablement, nous sommes plus facilement dans des pensées négatives que dans des pensées positives. Rappelez-vous aussi, ce dont j'ai parlé d'un point de vue épigénétique, l'importance et la puissance de ces pensées sur notre codage ou notre décodage génétique au niveau de ces gènes actifs et de ces gènes inactifs, 85-15, 15 actifs, 85 inactifs, et que nous pouvons désactiver ou réactiver ces gènes au travers tout simplement des mécanismes de pensée. Dixit, les travaux du professeur Bruce Lipton, de Joël de Rosnay ou de bien d'autres chercheurs donc en épigénétique. Nous avons donc tout à fait intérêt à faire très attention quand nous connaissons l'impact de ces pensées négatives, de faire très très attention à la façon que nous allons avoir de gérer ces pensées et de rappelez-vous que ces pensées sont vibratoires et que quand nous envoyons une émission vibratoire, si forcément nous avons une pensée négative, nous allons donc envoyer une vibration, un état vibratoire négatif, beaucoup plus bas, et nous attirons vers nous des réactions négatives. Je vous donnerai des exemples pour que vous compreniez bien. Par contre, si nous sommes dans des pensées positives, nous émettrons des pensées et des vibrations positives qui attireront des événements et des situations positives. J'aimerais, au stade de cette formation, et vous allez voir ensuite l'impact, notamment dans le milieu du sport et dans votre performance, votre récupération, et surtout dans la mise en place de blessures ou pas que l'on met sur le dos du sport, vous allez comprendre l'importance de ces schémas de pensée. Mais j'aimerais citer une personne. J'aimerais citer Mère Teresa. Tout le monde connaît Mère Teresa, son travail. Mère Teresa a été pendant longtemps, très très longtemps, sollicitée par des journalistes pour venir manifester, on va dire, à travers le monde, lors de manifestations contre la guerre. Et pendant longtemps, elle a refusé de venir manifester. Un jour, un journaliste va la voir et lui dit « Mais enfin, Mère Teresa, pourquoi refusez-vous de venir manifester contre la guerre ?» Elle a regardé et dit au journaliste « Parce que le jour où vous viendrez me solliciter pour manifester pour la paix, ce jour-là, je viendrai. » Et le journaliste la regarde et lui dit « Mais enfin, quelle est la différence? C'est la même chose si nous manifestons contre la guerre. » Et elle lui répond « Non, absolument pas. Quand vous avez 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui envoient simultanément les mêmes vibrations qui sont des vibrations de guerre, comment voulez-vous qu'au niveau mondial, nous vivions autre chose que la guerre? Nous envoyons des vibrations négatives de guerre, nous ne recevons que ce que nous envoyons, nous récoltons ce que nous semons. Le jour où nous serons les 1, 2 ou 3 millions à envoyer des vibrations de paix, ce jour-là, je viendrai, je participerai, parce que je participerai en fait à récolter des vibrations qui reviendront en retour, c'est-à-dire des vibrations de paix. » On comprend au travers de cette petite anecdote l'impact de ces vibrations et de ces schémas, et donc nous comprenons que nous avons tout intérêt à venir travailler sur ces schémas émotionnels, ces émotions négatives, et surtout que, encore une fois, ces émotions ne sont que le reflet, ces pensées, je veux dire, ne sont que le reflet de ces émotions et ce qui va nous habiter en permanence. Alors bien sûr, qui dit pensée dit communication. Je ne vais pas parler aujourd'hui de communication avec les autres, ce n'est pas le but d'une formation, mais dites-vous bien de cette formation sur le sport notamment. Mais par contre, dites-vous quand même
une chose très importante, c'est que la communication, on le sait au travers des travaux du professeur Berabian, c'est que la communication, bien sûr, il y a les mots qui sont le reflet de nos pensées, mais vous allez comprendre quelque chose par rapport à cette communication avec les autres ou vis-à-vis de soi-même. Rappelez-vous que la communication, c'est 7% de mots. C'est 38% d'intonation, de ton qu'on va y mettre, d'intention qu'on va y mettre. Ça fait donc 45%. On est toujours dans le langage verbal, qui sont liés aux mots et donc à nos pensées. Mais vous avez ces pensées qui vont impacter aussi 55% de notre communication, qui est donc la posture que l'on va avoir, le geste, l'attitude et la posture. Vous avez certainement déjà entendu des gens dire « il me dit ça, mais tout son corps me dit le contraire ». En fait, son corps n'est que le reflet des pensées qu'il a dans sa tête. Notre premier impact au niveau de ces pensées, il est postural. Or, vous vous rappelez ce que nous avons dit dans la capsule au niveau de la posture est un des bras de levier fondamental qui vient modifier nos schémas neurocomportementaux. Donc nous avons tout intérêt, si nous voulons impacter, c'est bien de travailler sur sa posture, mais on ne peut pas le faire en étant, on va dire, dans l'ignorance et dans la non-gestion de nos pensées qui vont avec. Donc on a tout intérêt à apprendre à gérer ces fameuses pensées, ces 60 000 pensées qui nous traversent la tête au quotidien. Vous avez donc compris que si vous pensez réussite, vous réussirez. Si vous pensez échec, vous subirez les échecs. Si vous pensez blessure, vous augmentez considérablement les risques de blessure. Si vous pensez performance, vous irez inéluctablement vers la performance. C'est ça.